Salut les amis, c'est Alex Gaming, nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo le dimanche, un vide grenier. Donc je vais aller à GIF, donc je vais faire plus de trajets que d'habitude parce qu'il y a des travaux. Donc je vais y aller tranquille, hein. De toute façon, si j'arrive pour 8h, 9h, il n'y a aucun souci. J'ai l'habitude là-bas, il n'y a pas trop de ratisseurs que d'autres vides greniers, donc j'ai l'habitude. Il y a forcément des petits ratisseurs, mais... Mais quand j'y vais, je trouve des fois des choses, donc ça dépend, on verra bien ce qu'il y a là-bas, on verra bien pour le mois d'août s'il y a encore des choses, s'il y a des revendeurs, on verra. Allez, je vous dis à toutes, donc j'ai la route, à toutes. Parti les amis, vous attaquez pas la brocante, elle est juste là. D'habitude il se expose là, mais bon. Bon bah il fait pas très beau. Je pensais pas qu'il pleuvrait un petit peu. Ça crache un peu dehors en fait. Donc tant mieux, c'est pas de la grosse pluie, mais bon. C'est pas normal quoi. Il devait pas pleuvoir aujourd'hui. Bon. Bon bah c'est parti les amis, on va voir ce qu'il y a, 8h du matin. Voilà, allez go. C'est le prix là qui est sur l'étiquette? Ouais, mais il manque un CD, pour ça. Ah, mais sinon, ouais, c'est le prix. Ça, c'est combien, ça, ça 5 balles. Et ça, il se dit qu'il manque un CD. Ouais, ouvre, tu verras, il manque le CD numéro 2. Ah, d'accord. Ouais, je te crois. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Moi, j'ai un super jeu, mais bon... Ah, Dino Crisis. Ouais. 65. Ah ouais. Mais il est propre, hein. Il est tout neuf. D'accord. Ça, je l'ai. Ah, 15 euros. Golden Axe. Ah ouais, d'accord. Ouais, ça je l'ai. Et après, c'est tout. D'accord. C'est tout. D'accord. Bah, merci. Hein. Je t'en prie. Bon. Je crois qu'il va être là votre collègue, je vois c'est... Ouais, ouais, il est là, il est ouais. Là. Ah, parce que la dernière fois, il était pas là, vous étiez pas là. Vous étiez pas là ce jour-là, la dernière fois, je suis venu. Ouais. Vu la météo... En version US, ouais. Ah, il manque juste le CD numéro. Ouais, c'est... dommage. Il est beau, en plus. Hein. Ouais, mais ils sont super. En version US, il est plus beau, je trouve, que la version standard, on va dire. Ouais. Après, tu sais, les prix, je mets toujours des prix forts parce que. Si ouais, je comprends. Tu vas les reprendre. Je vais les reprendre avant que ça soit, parce que c'est un peu mouillé là. Ça marche, merci. Bon. Bonjour. Ah, vous vendez des jeux vidéo? Vous faites à combien votre GameCube? 50 euros. Monsieur. 50 euros la fête. D'accord. Elle est pas complète, elle est juste quand elle en loose comme ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Ça marche. Bonjour. Bonjour, vous faites à combien ça? 3 euros. 3 euros. Pas de monnaie, c'est con. Thank you.
Ah, tu l'as toujours, le Danzler. Après 20, 25, après 25, je prends des deux. Parce que j'aurais bien voulu ces deux-là. Là. Je compte 25. Je te fais 30 balles si tu veux les deux. 30 balles ? Au lieu de 35. Ah oui, bien sûr, ça marche. Ok. Ça marche, oh, je vais les éteindre. Les amis, donc c'est parti pour voilà, c'est fait. J'ai enfin trouvé des belles petites choses. Franchement, je suis assez content. Il y a un instant, j'ai pas filmé parce qu'il y avait de la musique de fond. Donc désolé si ça n'a pas été filmé. Donc j'avais trouvé une figurine à un bon prix, franchement. J'ai trouvé des DVD, de la Super Nintendo sur mon revendeur. J'ai attendu un petit moment. Voilà, j'ai filmé vraiment des sympas. Il y a des stands que j'ai pas filmé. Il y a des particuliers, ça sert à rien. Ils vendent des jeux super chers. C'est même pas la peine de filmer ces jeux complètement what the fuck c'est pris. Voilà, donc je sais pas à quel moment la vidéo sortira parce que le compte rendu, je sais pas si j'aurai le temps de la faire en rentrant. On verra, je verrai bien. Soit la vidéo sort lundi, soit elle sortira mardi. On verra bien, tout dépendra de ma motivation pour faire le montage et puis il y a le montage à faire aussi. Donc c'est normal que la vidéo sortira pas tout de suite. Je voudrais vous faire un peu plus de meilleure qualité la vidéo quand même. Avec les montages, la présentation des jeux et tout ça, et les gameplay aussi. Voilà les amis, donc je vous dis à toutes, hein, ou à la suite de la vidéo, hein, donc pour le compte rendu. Allez, ciao. Salut les amis, voilà, c'est parti pour le compte rendu de Vide Grenier. Et donc voilà, je vais vous présenter ce que j'ai acheté en Vide Grenier. Voilà, donc je vais vous présenter le premier article que je vous ai présenté. Bon, je vous ferai des petits montages. Je vais essayer de vous faire ça et vous parler des jeux en même temps. Je trouve que ça rend vraiment bien. Et bon, à part quelques trucs, je peux vous présenter rapidement, mais des trucs pas intéressants et d'autres, bon bah, c'est pas la peine de vous le montrer. Voilà. Donc j'ai trouvé un goodies, des VVD, j'ai trouvé de la Super Nintendo, un peu de rétro, beaucoup des jeux récents, des DVD, voilà. Et un jeu pour remplacer une boîte, voilà. Donc un jeu récent, c'est pas ouf, mais je sais pas, là, voilà la boîte. Alors, j'ai trouvé le Buzz l'éclair en dehors de l'espace. Voilà. Mission secrète sur une planète inconnue. Voilà, donc le Buzz l'éclair, celui-là, bah, je suis très content parce que celui-là, je le recherchais, mais à un bon prix. Donc je l'ai aussi à l'avoir 7€. Je trouvais que c'était correct. Il y en avait un deuxième Buzz l'éclair avec le test d'objet, là, on voit dans le deuxième film. Voilà, donc malheureusement il était pas ouf, mais donc j'ai pris plutôt la version originale, on va dire, la version classique, la standard avec le Buzz l'éclair dans le premier. Voilà, et en plus le truc il s'ouvre très très bien, regardez il s'ouvre très très bien. Hop, voilà le Buzz l'éclair en bon état. Voilà, il y a bien son bip bip là, voilà. Et franchement il est en bon état, donc il ira avec Woody, donc ça me fait un deuxième figurine de Toy Story. Mes personnages préférés, bien sûr, tout le monde aime bien. Donc j'ai en version jeu vidéo, là j'ai en version connue, donc je collectionne hein, les Toy Story, j'aime beaucoup ce film. Il manquera plus qu'à acheter le quatrième film, j'ai toujours pas acheté en DVD. Voilà, donc je suis très content, celui-là, très content, en bon état, et voilà, 7€, ça se prend. Hein. Voilà, à la base, il était toujours à 20-30€, même c'est abusé, les gens, ils vendaient très cher. Dans un état vraiment pas ouf, et là franchement il est en bon état et 7€, ça se prend. Voilà, donc Buzz l'éclair en dehors de l'espace, je l'ai enfin dans la collection. Il ira avec son pote Woody à côté. Voilà.
Voilà, donc je vais vous présenter un lot de DVD plus un jeu que j'ai pris pour la boîte. Donc j'ai réussi à l'avoir 3 euros le lot. Donc 50 centimes le DVD et, et au lieu de 3, j'ai eu à 2 euros le jeu PS4. Donc voilà, le jeu de PS4, où on joue le rate rapidement, on ne va pas se prendre la tête. Donc j'ai pris pour la boîte. Donc c'était un PS 2019. Je l'ai pris, bon, je vais quand même garder le jeu, on verra bien. J'ai regardé parce que j'ai une boîte vraiment pétée d'un jeu. Je me suis dit que ça, c'est les jeux de PS. Ça peut être intéressant de, ou jeux de FIFA, peu importe. Récupérer les boîtes. Voilà, ouais, il est bien complet, hein. Je vous montre rapidement. Voilà. Donc, ça, c'est bon, quand même. Je suis content même d'avoir récupéré la boîte. Donc, je l'ai eu pas trop cher. Et 50 centimes les films, franchement, ça se prend. Donc je vais essayer de vous faire des petits montages, donc on va rester un moment et je vais vous parler du film en même temps. Donc voilà, j'ai trouvé des DVD, donc cela 50 centimes dont 1 euro les deux, franchement très content. Donc j'ai pris les Simpsons et le Sonic le premier, donc il manquera que le 2. Je sais que le 3 il va sortir, il prévoit de sortir un troisième. Donc je l'ai pris en même temps parce qu'il y a Jim Carrey, bien sûr vous savez que j'aime bien Jim Carrey. C'est mon acteur préféré et franchement dans celui-là il m'a tué quoi. Donc je l'ai vu sur une chaîne Netflix ou je sais plus ou Prime Vidéo, je sais même plus à l'époque quand je l'ai vu le premier. Donc voilà. Donc j'aimerais bien trouver le deuxième. Comme ça je me ferai déjà les deux films avec Jim Carrey. Donc Jim Carrey là il a les cheveux et dans le deuxième seconde il a plus de cheveux. Donc là il joue le rôle de Dr. Robotnik, le personnage du jeu vidéo. Sonic, vous connaissez tous, et l'acteur qui joue Jane Masden, non, ça me dit quelque chose, je sais plus dans quel film il jouait, je me rappelle plus du tout moi dans les commentaires. Hein. Et franchement, je suis content, ça c'est ce film-là, bon, c'est pas le meilleur film du monde, il paraît, mais bon, voilà, on va pas cracher dessus, il vaut mieux que le Dragon Ball Evolution, ça je vous le dis, parce que Dragon Ball Evolution c'est une dub, c'est une merde, là franchement, là ça passe. Après, je sais qu'il y aura il aimera bien m'acheter le Super Mario. Là, il est encore mieux que le Sonic, mais bon. Voilà, donc je suis très content. Voilà, parce que j'ai Jim Carrey. Ça rentre dans la collection. Et 50 centimes, ça se prend. Je dis pas non. On se prend même pour 1 euro, j'aurais pris. Voilà. Et le Simpson, le film. Donc, je l'ai déjà vu en cinéma. J'ai des vagues souvenirs de l'avoir regardé au cinéma à l'époque. Donc celui-là, il rentre dans la collection parce que j'aime bien. Donc je vais voir si je prendrai plus tard dans l'avenir les coffrets. C'est vrai, j'en avais vu en s'y grenier, mais je les prenais jamais. Donc je me suis dit, est-ce que je vais les prendre ou pas? À voir. Est-ce que je vais faire une collection comme les South Park? À voir. Mais bon, moi, il est en bon état. Il y a bien, il y a une notice à l'intérieur. Je ne vous ai pas montré dans le montage. Il y a une espèce de notice, une espèce de journal, il y a une histoire dessus plutôt. Donc c'est marrant. Et il est en bon état. Voilà. Ils sont en très bon état les CD, donc voilà. Voilà, ça c'est cool les amis, je me suis pris ça pour la collection et aussi parce que j'aime bien ces films. Voilà. Donc voilà, j'ai pris ça avec le PS pour la boîte. Voilà, donc voilà, j'ai pas pris de risque par rapport au prix. Voilà, donc bah je suis content. De temps en temps, à part les jeux vidéo, si je trouve des trucs qui m'intéressent, je les prends. Voilà, et on va arriver aux jeux vidéo. Même si FIFA c'est un jeu vidéo. Je suis prêt quand même. Alors on va commencer par le PS3. Alors j'ai vu un stand. Il y a des Wii, des jeux de Wii, des jeux pas ouf. Et par contre j'ai vu ça. J'ai pris le Red Dead Redemption version zombie, donc je l'ai pris parce que j'aime bien l'univers des zombies. Je me rappelle que j'avais déjà joué. Je sais plus si j'avais vendu la version Red Dead, faudra que je le rachète parce que il est quand même, c'est un très bon jeu. Après la version PS4 j'ai moins aimé, je sais pas pourquoi. Je préfère la version PS3, je sais pas pourquoi. Il est mieux quoi. Moi je trouve qu'il est plus voilà. Je sais pas pourquoi le mode vert est mieux que dans l'autre. Je vous l'avoue. C'est pour ça que je l'ai revendu la version PS4 parce que je sais pas, ça va pas accrocher. Alors que la version le premier, moi je trouve qu'il est bien. Voilà, donc Red Dead version zombie. Voilà, vous allez. Le but du jeu, c'est voilà, il y a des quêtes comme les GTA. Donc ça fait voilà, c'est Rockstar, hein, les amis. Il y a des quêtes, il y a des zombies. À part dans la version classique, il y a des zombies. C'est ça qui change dans le jeu. L'environnement est différent. Mais c'est la même map, c'est le même truc. Donc malheureusement, il n'y a pas de notice. Il y a peut-être eu la map, peut-être sûrement.
Donc c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. Donc celui-là, je vais le garder dans la collection. PS3. Ça rentre dans la collection, je vais le garder pour l'instant. Parce que c'est des jeux que j'aimerais bien les garder quand même. Des jeux peut-être plus tard à jouer, on verra bien si j'ai le temps. Vire vos pires cauchemars, la terrible pleure, fleur pourpale, ouest de l'est. Voilà, il est en très bon état. Franchement, je suis assez content quand même pour cela. Donc, je l'ai négocié à 2€ au lieu de 3. Voilà, il voulait s'en débarrasser, il l'avait dit. Donc, ok, ça marche. Je vous remercie à vous pour cela. Donc, cela est rentré dans la collection. Ensuite, j'ai trouvé le vendeur que j'ai l'habitude de voir. Bah, la semaine dernière, je l'ai vu encore. Et là, je l'ai encore vu à GIF, quoi. Donc je lui ai pris un jeu de PS4 qui le reste m'a intéressé rien du tout. C'est là où je lui ai pris le jeu de Game Boy Razz Moquette et le jeu d'Engenger là, c'est peut-être Engenger, je sais pas comment ça se dit. Donc j'ai trouvé le Meeting de Nof 9 quoi. Donc en fait c'est un jeu qui me fait penser à beaucoup à Megaman. Alors dites-le moi dans les commentaires, mais ça fait vraiment penser à Megaman ça. Parce que le personnage et tout ça me fait penser et ça me dit quelque chose, mais j'arrive pas à voir. Donc c'est un jeu qui date quand même de 2016, hein, ça date. Hein. Depuis l'arrière, bon, il y a les voix françaises, il y a les voix françaises. Le jeu il est en français, il y a du Jap et du... voilà, il y a les deux. Donc c'est cool. Donc c'est un jeu côté 3D, 2D, je crois. Ça sera un jeu que j'aimerais bien vous faire en vidéo, ça, ou en live plutôt. Et ça c'est cool, ça serait vraiment bien. Donc à l'intérieur il y a bien le jeu, comme je vous montre en montage. Il y a une espèce de carte aussi, franchement une notice ou une carte. Il y a bien le code, mais je sais pas s'il fonctionne. Voilà, je teste s'il fonctionne. Alors si je vais tester ça, ça serait pas mal parce que je sais pas ce que c'est ça. Rendez-vous, ouais. Peut-être c'est des DLC, je sais pas. À voir. J'espère que ça marche. Et l'espèce de carte où c'est plutôt un poster. C'est marrant, c'est sympa le petit poster à l'intérieur, c'est cool, coloré. Donc ça c'est un jeu, il y a à l'intérieur des extensions avec un poster, ouais c'est ça. Donc il est bien complet, hein. Donc les extensions c'est peut-être les codes. Alors j'espère qu'il va marcher. J'espère. Si ça fonctionne, bah alors tant mieux alors. À voir. Donc voilà, ça c'est donc je l'ai eu à 8€. Franchement, je trouve que c'était assez correct parce que je sais, il m'a dit qu'il est pas courant. Alors dites-le moi dans l'espace si c'est courant, mais j'ai jamais vu de ma vie ça. C'est un jeu que je recherchais en général, enfin des jeux style Megaman quoi. Et ça, je l'avais jamais vu. Je savais pas que ça existait ça. Donc j'ai vu des gameplays, ça a l'air sympa. Donc moi de 12 ans, je vais garder dans la collection ça. Ça m'a l'air d'être sympa. Donc je vais le garder dans la collecte des PS4. Parce que c'est un jeu. Ça a l'air d'être un très bon jeu. Voilà, il y a à peu près 12 niveaux à l'intérieur. Ouais, 10 niveaux, des courses. Ouais. On peut jouer en ligne aussi, apparemment. Ouais, il y a le bon son de 8 bits. Option 3 niveaux difficulté supplémentaires. Débloquer bien plus encore. Des nouveaux déclats. Inclus. Voilà, il y a des extensions. Ça a l'air sympa, franchement. Ça a l'air d'être un petit jeu sympa à faire en vidéo. Donc ça à voir, je vais le garder. Hein. Franchement, 8€, ça se prenait. J'ai bien fait. Franchement, j'ai l'air de... Dites-le moi, mais je pense que j'ai bien fait. Ensuite, pour finir la vidéo, j'ai rentré deux jeux game Super Nintendo. Voilà. À la base, le Judge Dredd, il était à 15€. Et le Dragon Slayer, je l'ai eu à la base, il était à 20. Attends. Non, il était à 25, non? Parce que j'ai plus l'étiquette. Ouais, non, il était à 20, donc j'ai pas, il m'a pas baissé. Donc en fait, celui-là, il m'a le Judge Dredd, il me l'a fait à 10 balles. Celui-là, il me l'a baissé. Et celui-là, il l'a laissé à 20. Donc 30€, voilà. Dites-le moi si ça va. Mais bon. Alors le Judge Dredd, donc celui-là, je suis très content. Parce que c'est des parce que c'est un jeu de plateforme, ça a l'air d'être sympa. Donc c'est basé d'un film que j'aimerais bien trouver par Pastalone. Donc c'est basé d'un comics ou d'une bande dessinée, je pense, je sais plus. Donc c'est un côté héros, on va dire. Donc c'est un jeu par Hakem. Voilà, il date des années 95.
Voilà, l'état est en très bon état, la cartouche, elle est propre. Et celui-là, il me l'a baissé à 10 euros le 15. Donc franchement, merci à lui pour cette petite négociation. Et bon, bah moi, c'est vrai, j'achète les prix forts, mais bon, c'est pas très rare. Hein. Je les prie parce que j'aimerais bien collectionner. Et c'est des jeux que je recherche en particulier pour la collection. Et aussi peut-être pour jouer, hein, on sait jamais, pour les vidéos. Voilà, donc ça, très content. Donc c'est un jeu de plateforme. Côté vous tirez des ennemis, je pense. Et ça a l'air d'être sympa. Franchement, j'en sais pas plus. Alors, voilà. Et il y a aussi le Dragon Slayer. Donc le Dragon Slayer, c'est un jeu de plateforme aussi, ça. C'est un jeu que le joueur du grenier a testé en vidéo. Donc ça peut être marrant de vous faire une vidéo là-dessus, peut-être un jour aussi. Donc c'est un jeu de plateforme avec des boss, tout ça, etc. Et apparemment, bah, il a pas l'air d'être aussi ouf que certains. Mais il est très coloré pour la Super Nintendo, hein, comme d'hab. Apparemment, on dit qu'il a l'air d'être dur, mais je sais pas s'il est... si cette version-là est bien. Je sais sur la version NES, il est pas ouf. C'est vraiment de la merde. Mais cette version Super Nintendo, comme dit Jordi Morin, je sais pas si, comme il dit, il est aussi bien ou pas. Je sais pas. Si c'est le meilleur, c'est pas s'il est faisable comme jeu. Donc je sais pas, je peux pas vous dire. Donc voilà, Dragon Slayer, bah je suis content de l'avoir rentré dans la collection. Je sais plus ce qu'il vaut, peut-être une trentaine d'euros, peut-être. Quand même, il a une petite cote celui-là, le Dragon Slayer sur la paire d'Indo. Celui-là aussi, il y a une petite cote aussi, je pense. Voilà, peut-être c'est son prix 15 euros. Je pense que c'est peut-être son prix, mais il me l'a fait à 10, donc c'est gentil de sa part. Donc voilà, donc je rentre deux jeux rétro gaming dans la collection. Ça fait plaisir. Ça fait grandir la collection et puis je suis content. Envie de grenier, c'est top. De trouver ça envie de grenier en général. Et en plus, j'ai l'habitude de voir mon revendeur, donc j'étais content. Parce que la dernière fois, il n'y était pas là. Il était à une autre vie de grenier apparemment. Et apparemment, j'ai un autre vendeur. Vous avez dû voir, j'ai vu, il avait un jeu de Master System plus des jeux de Saturn, mais un petit peu cher à mon goût, mais bon, à part l'autre jeu là, apparemment il manquait le CD, donc voilà pourquoi j'ai pas, voilà. Donc lui, il m'a dit que ils étaient dans une autre brocante dans le 91, mais je sais plus c'était vers où, et apparemment il y a des chances qu'il y en a peut-être la semaine prochaine. Je vais regarder sur internet, à voir, et si je suis chaud pour y aller. Voilà, donc ça fait plaisir. Je rends tout ça, les amis, quand même. Ça fait plaisir. Je rends quand même pas mal de petites choses, un peu plus de choses que la dernière fois. Mais c'est cool, voilà. Donc voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Enfin, vous aura plu quand même. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé, comme d'habitude, cette vidéo. Je sais que les forts de grenier, ça vous plaît. C'est ce qui marche le plus. Et comme dit Buzz l'éclair, je sais pas s'il va le dire. Je suis Buzz. Voilà. Je suis Buzz l'éclair, je viens en paix. Et non. Je suis Buzz l'éclair, je défends la galaxie contre la menace d'invasion vers l'infini et au-delà. Voilà, allez, je vous dis bonne... Allez, je vous dis à la prochaine, les amis, et abonnez-vous surtout, et à la prochaine. Ciao, les amis.